Alors, Lionel Chouchan, merci de nous recevoir pour cette 19e édition du Festival du film fantastique de Gérardmer. Depuis 1994, vous accueillez des cinéastes prestigieux tels que Dario Argento, John Carpenter, Toby Hooper, John Landis, Paul Verhoeven, Romain Balaguerro ou John McTiernan, pour n'en citer que quelques-uns. Gérardmer, c'est un peu le passage obligé de tous les réalisateurs de films fantastiques et d'horreur en France. Dites-nous, quels cinéastes sont présents cette année pour présenter leurs films ? Présents, il n'y en a pas beaucoup. Parce que pour des raisons malheureusement budgétaires. On a rendu un hommage à Ron Perlman, qui était le comédien dans pratiquement trois formidables films de Jean-Jacques Hano et autant dans les films de Jean-Pierre Jeunet. Mais en tant que réalisateur présent, il y a celui du film d'hier soir qui s'appelle Eva, qui est espagnol. Mais on a été un peu jugulé par les problèmes de gros sous. Donc, ça nous a beaucoup ennuyé parce que d'habitude, on a pratiquement, pas tous, mais au moins 70% des réals présents et voire aussi de temps en temps des comédiens. Pour la 18e édition l'année dernière, c'était Alexandre Aja qui rendait hommage à Dario Argento. Ils étaient tous les deux dans le jury. Oui. Donc cette année, la séance hommage est consacrée à Ron Perlman. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, comment ça s'est passé, qui était présent ? En dehors de lui, sa femme. Ouais, sa femme était là ? Ouais. Elle est absolument formidable. C'est une designer de bijoux très talentueuse. Non, c'était bien parce que c'est un... Moi, j'ai fait une petite ouverture en disant que ce type, bon, c'est plus qu'un visage, c'est une gueule, c'est une carrure, c'est une démarche, c'est un jeu tout à fait incroyable. Et il avait toute raison d'être à l'affiche des hommages qu'on a rendus, parce que comme vous l'avez cité, bon, on a rendu des hommages à des gens comme Friedkin, comme Dario Argento, comme etc. Mais on a aussi fait venir Christopher Lee, on a fait venir des gens comme ça. Si vous voulez, c'était assez cohérent qu'il soit là. Et la deuxième chose, c'est que c'est quand même le comédien qui était un peu le comédien fétiche et de Jean-Jacques Hano et de Jean-Pierre Jeunet, qui sont, ne le répétez pas, mais deux des grands metteurs en scène français que personnellement j'apprécie. Ils étaient là d'ailleurs pour l'hommage hier. Ils étaient pour l'hommage, ils sont venus exclusivement pour l'hommage. Jean Genet a déjà été président du festival. Non, il était dans le jury une année et il était président du festival de Deauville. Parce que nous, comme vous le savez, on fait beaucoup d'autres festivals. Donc l'année dernière, ce sont Be Devoured, Ne nous jugez pas et The Loved Ones qui ont été récompensés dans la compétition long métrage. Pour cette 19e édition, pouvez-vous nous donner un aperçu des films internationaux que vous projetez ? Bah, écoutez, ils sont quasi tous internationaux alors. Si on dit qu'international, c'est peut-être pas national, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de films français, ben voilà, la réponse est dite. Il n'y a quasi que des films de tous les pays. C'est la première fois d'ailleurs qu'on a autant de pays différents, puisque si vous voulez, il y a le Mexique, il y a l'Espagne, il y a Israël, il y a la Corée, il y a deux ou trois pays scandinaves, il y a le Canada, il y a bien évidemment les États-Unis. Donc, si vous voulez, ça a été d'ailleurs volontaire. On a voulu faire notre pêche à la ligne dans un maximum de mares différentes et non pas, comme souvent ça se fait, de taper uniquement sur les films anglo-saxons qui sont américains, anglais, australiens, essentiellement. Et je crois que ça nous réussira et que ça nous a réussi, que ça nous réussira parce que ça correspond un peu à l'appétit des gens, des spectateurs qui viennent ici. Et il y en a beaucoup et il faut satisfaire cette envie qu'ils ont de découvrir des cinémas différents. Alors une autre question, c'est cette fois, cette année, vous transformez la compétition Inédit Vidéo en compétition extrême. Alors pourquoi un tel choix ? D'abord parce que, si vous voulez, les vidéos commençaient à être un peu ringardes. Hein. C'est plus ça qui passionne les jeunes, les spectateurs, qui maintenant passent leur temps sur Internet, sur leur téléphone. Et deuxièmement, on a réalisé, si vous voulez,
C'est très difficile d'articuler un festival, notamment dans les sections compétitives, entre des morceaux de bravoure de boucherie et des morceaux de bravoure d'humour, qui, tout en étant fantastiques, l'un et l'autre. Deuxièmement, il y a des censures, enfin, moins en France qu'ailleurs, mais enfin, il y en a. Et un des avantages d'un festival, comme vous le savez, c'est que, bon, à la limite, on montre des films qui sont normalement interdits aux moins de 16 ans, donc on ne prend pas la carte d'identité des jeunes. On essaie en général de ne pas laisser rentrer les bébés, mais bon. Donc, on s'est dit, on va essayer de faire une dichotomie entre les films vraiment violents ou extrêmes dans un côté pamphlétaire ou autre, hein, et leur créer une sorte de colonne particulière. Peut-être qu'un jour on fera un jury à part, hein. On l'a bien fait, on fait le festival du film asiatique à Deauville, et on s'est rendu compte que c'était très difficile de marier les films d'action et les films si vous voulez asiatiques, des comédies romantiques, etc. C'est deux mondes. Alors vous demandez à un jury qui voit d'un côté un film où tout se passe dans la poésie, les papillons, machin, etc., et puis un autre où ça se tire-bouchonne à coups de cuillère, ça ne marche pas. Donc on a créé une section à part. Peut-être qu'on arrivera à ça. En tout cas, nous, on aime beaucoup cette nouvelle section. On a hâte de l'avoir l'année prochaine. Alors, nouvelle question. Avec la création du PIF en novembre 2011, il y a maintenant deux grands festivals de films fantastiques internationaux en France. Donc beaucoup de fans de Gérard Armer voient le PIF comme un concurrent du GIF. Alors, pensez-vous qu'il sera facile pour les deux festes de coexister? Écoutez, j'en sais rien. D'abord, il y avait un slogan dans ce pays qui se prend vraiment pour le roi du monde, qui était de dire « on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». La vérité, c'est qu'on n'a ni pétrole ni idées. Moi, j'ai inventé le Festival du film fantastique en 72, dont le premier numéro était en 73 à Avoriaz, et où, comme vous le savez, donc on a sorti le premier lauréat, c'était Spielberg, le deuxième Brian De Palma, le troisième David Lynch, après Luc Besson. Bon, tous les grands metteurs de cette génération sont passés par Avoriaz. Mais on a été copié un nombre incalculable de fois. Je veux dire, j'étais démarché sans arrêt par des villes de France qui me disaient « faites-nous un festival de cinéma ». Je leur disais « moi, je suis pas une vendeuse de quatre saisons. Je fais un festival parce qu'il y avait une raison de le faire là, de cette façon. Vous, il n'y a aucun intérêt de faire un festival de cinéma. Faites un festival de pommes de terre, de musique, de ce que vous voulez. » Donc, qu'il y ait un festival à Paris, why not? Sauf que, si vous voulez, aucun festival n'a jamais fonctionné dans une grande capitale. Parce que ce qui fait la magie d'un festival, bien évidemment, c'est la qualité des films, c'est la qualité des gens, mais c'est la qualité des relations humaines. Or, ça a fonctionné comme ça, magnifiquement à Avoriaz. C'était tout petit, je veux dire, moi, à Avoriaz, j'ai eu, vous aviez assis côte à côte, Antonioni, Félicien Marceau, Arabal, Bondarchuk, De Niro, à Paris... Les Français, déjà, ils vont sortir de chez eux, ça va les faire chier, ils vont prendre un taxi, ils rentreront chez eux. Ils ne vont pas prendre un verre là, toute la nuit à discuter entre eux. C'est pas possible. Alors, c'est bien pour les étrangers s'ils ont les moyens de les faire venir. Voilà, venir à Paris, c'est vrai que c'est sympa. Bon. Mais voilà, donc, moi, je ne suis pas inquiet. De toute façon, il y a de la place pour tout le monde. Pour l'instant, c'est un bébé. Nous, on est déjà des adultes. Donc, cette année, le Fest a rencontré certaines difficultés sur le plan financier au niveau des sponsors, de l'organisation. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, et surtout, y aura-t-il un Gérard Armer 20e anniversaire? Moi, je ne suis pas devin, hein. Je ne tire pas les cartes et je ne regarde pas dans la boule de cristal. Je pense qu'il y aura, parce que ils sont quand même suffisamment intelligents pour comprendre que ce festival a redonné une autre vie à cette ville. Je peux vous dire qu'à 19 ans, cet hôtel, il n'était pas comme ça. Alors je ne dis pas qu'il est devenu qu'à cause du festival, mais le festival a apporté tout d'un coup une lumière différente sur cette petite ville qui a été rasée par les Allemands en 1944, rasée de la tête aux pieds, si je puis dire. Donc, ça a redonné de la vitalité, de l'image, de l'appétit aux touristes de venir. Et deuxièmement, chose peut-être encore plus importante, ça a redonné un sens
aux Jérômois, à la vie des Jérômois. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils s'impliquent dans un truc. Vous avez vu, les bénévoles, c'est pas du bidon. Hein. Vous prenez une voiture pour vous emmener au restaurant à midi, vous regardez la tête du gars, vous dites, c'est marrant, je le connais. Ben oui, c'est le buraliste où vous avez acheté vos clopes 3 minutes avant. Bon. Donc, et c'est, y a vraiment 600 personnes. Le repas de l'ouverture, je ne sais pas, vous étiez ? Bon. Y a un lycée de jeunes qui apprennent la cuisine, comment on fait bon, le service, machin, etc. C'est eux qui servaient, c'est eux qui ont fait la bouffe, et elle était extraordinaire. Donc, si vous voulez, je pense que tout ça, alors le lycée, il existait avant le festival, mais on a créé une sorte de fierté d'appartenance pour ces gens, de sujet de se réunir et pas de se foutre sur la gueule comme ça se passe partout. Bon, voilà. Donc, je pense qu'ils seront quand même suffisamment intelligents, je parle des institutionnels, hein, pour comprendre qu'ils ont tout intérêt à continuer. Nous, malheureusement, on fait tout ce qu'on peut pour les aider. On essaie de trouver des sponsors, des partenaires. On baisse autant que faire se peut tous les coûts qu'on peut réduire, mais on ne peut pas descendre en dessous de... Déjà, nous, on fait du mécénat. Hein. Je peux vous dire que les 2 ou 3 dernières éditions, c'est du mécénat qu'on fait. Bon. Mais voilà, et c'est pour ça que, bon, pour revenir au fait qu'il n'y ait pas les réalisateurs ou d'autres personnalités, si vous voulez. D'abord, comme vous le savez, maintenant, toutes les stars, notamment américaines, ça ne prend plus les avions normaux. Hein. Bon, et déjà, quand ça les prenait au moins à 3 personnes en première. Maintenant, c'est carrément des avions privés, des machins. Bon, je veux dire, il y aura de moins en moins de festivals capables de se payer ça. Bon, comme ça, au moins, ils pourront repayer tranquille et rester à Los Angeles. Mais voilà, donc, si vous voulez, oui, il y a eu ces problèmes. 2, vont-ils continuer ? J'en sais rien, parce que ce n'est pas nous qui discutons avec les institutions, le conseil régional, le conseil général, etc. On va aider les gens de Gérardmer à essayer de gagner la bataille ou à la regagner. Voilà. Et puis on cherche aussi sans arrêt des moyens de financement, que ce soit auprès de chaînes de télé, que ce soit auprès d'industriels, de la région ou nationaux. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, c'était notre dernière question. Donc, merci beaucoup Lionel Chouchan pour cette entrevue qui nous a éclairé sur le festival. Et on sera là l'année prochaine, parce que je pense qu'il y en aura l'année prochaine quand même, on l'espère. Absolument, rien que pour vous. Ah, ça serait bien.